Ça a été vachement plus rapide pour te frayer un passage dans la jungle. C'est normal, j'avais ma carte de survie. Tu n'avais pas de carte de survie. Non, j'ai pas de carte de survie, j'ai bien galéré. Voilà, alors que moi, ça fait 10 minutes que je suis parti, toi, ça fait 8 jours. Ça fait 8 jours. Voilà, ça, c'est l'outil qui m'a sauvé. Hein, c'est vrai. Voilà. Alors, carte de survie, oui, qu'on emporte partout avec soi. Bah, c'est la taille d'une carte bancaire, voilà. En plus, elle est fournie avec une petite pochette. Avec une petite pochette. Hein, qui permet, qui évite de déchirer les poches. Qui évite de déchirer les poches, voilà. C'est quand même aussi bien pratique. Alors, ce qu'on peut, on va se mettre un peu à l'abri, puis on va regarder à quoi elle sert, parce que c'est bien beau, hein, on vous la montre comme ça. Il y a plein de trous et avec du métal autour. Bon, on va voir justement l'utilité. Derrière les bambous, je suis derrière les bambous. Je vais les enlever tout à l'heure avec ma petite carte de survie. On voit ça ensemble. On voit ça en détail, ça marche. Voilà, alors si on a été sauvé dans notre jungle, c'est grâce à cette fonction-là. Ça, la fonction principale de cette carte, le décapsuleur. Voilà. Ouais, bon, on a compris, c'est la survie, pas forcément pour de la vraie jungle, mais plutôt survie urbaine peut-être. Petite jungle. Ou camping, voilà, c'est la carte qui dépanne. Oui, vu qu'on l'a en poche ou dans son portefeuille, donc c'est quand même hyper pratique. Donc on a vu celle-là, l'essentiel, le décapsuleur. Alors ensuite, Jean-Paul, il faut que tu trouves maintenant la fonction couteau. Elle est là, au-dessus, donc il y a un couteau qui vous permet de couper le saucisson après, ou autre chose, des brindilles. Nous, on était dans une forêt de bambou, ça peut servir de machette, mais il faut être patient. Petit bambou. Là, il y a encore une fonction intéressante, c'est un ouvre-boîte. Pour ouvre-boîte. Et ensuite, une fonction tournevis, Jean-Paul. Tournevis, je dirais qu'elle est au coin. Voilà. C'est là c'est on ça, a vraiment une fonction tournevis, effectivement, qui est là. Ensuite, il y a une fonction scie. Scie, alors, c'est ici. Là, on a vraiment une petite scie. On peut couper des petites choses. Oui, ce sont des dents de scie. Et ensuite, le truc essentiel aussi, c'est le mètre. Enfin, un mètre. On est loin du mètre quand même. C'est ici, là. Donc, il y a un centimètre. 1, 2, 3, 4 centimètres. Donc, si vous avez un long parcours à faire, vous pouvez mesurer. Non, mais c'est quand on lit une carte, en fait. On peut avoir des repères, on les pose. C'est ça, avec l'échelle. C'est pour ça qu'il y a aussi ici un rapporteur qui permet de tracer des angles. Calculer l'azimut. Tout ça, si on se rappelle ce que c'est. Il faut azimuter. Moi, je ne sais pas ce que c'est une zimut, mais... Ensuite, il y a un peu de mécanique aussi. Je vois qu'il y a des clés. Alors, ici, clés voilà, c'est pour des petits boulons. En fait, de dimension de 4 jusqu'à 10 mm. Voilà, alors ça, c'est pour... Vraiment, quand il dit une clé, c'est pour ouvrir des petits boulons. Hyper pratique. On est là, on a une clé à serrer, enfin un boulon à serrer ou à ouvrir. Pour le vélo, on n'a rien sur la main, on a ça. Ça, c'est bien. Et en fait, c'est bien parce que ça s'enclenche, tu vois, tu rentres le petit boulon là, et puis tu le ramènes jusqu'à la taille qui correspond. Pour serrer et desserrer. Donc ensuite, là, on en a encore un pour mini boulons. Exact. Quand on a des mini boulons. Et ensuite, il y a des choses. Voilà, là, il y a ce trou. Là, c'est perforé en longueur ici. Et un autre petit trou qui est en bas. C'est pour des fils de fer. Ouais. Alors le petit trou en bas, effectivement, tu glisses un fil de fer et tu peux le tordre en angle droit. Voilà. Pour faire un hameçon quand on est perdu dans la jungle et qu'il y a juste un ruisseau avec une carte qui passe. Je découvre en toi un aventurier. Mauvaise nouvelle, c'est que je t'ai inscrit à une émission de survie. Bon, tu me prêtes ta carte. Voilà, alors, grâce à la carte. Donc c'est quand même sympa. Ça, c'est surtout, je dirais, les fonctions principales, outre le décapsuleur, c'est quand même la petite scie, ça peut ouvrir des petits boulons, le petit couteau à la rigueur. Ouais, donc c'est quand même bien d'avoir ça sous la main. Tu parlais de bicyclette, on fait un tour en vélo. On a ça dans son portefeuille. Et puis on se dépanne soi-même, on dépanne les copains. Tout à fait. Entre soi-même surtout. Et bien sûr, on trouve ça sur notre boutique pearl.fr. Et je vous dis à très bientôt, on va découvrir encore d'autres, d'autres objets comme ça, intéressants, multifonctions, et du jardinage aussi. Bah, on est quand même là aussi pour faire le jardinage de temps en temps. C'est un lien, avec ça, vous faites votre jardin. À très bientôt.